Attends, Philippe, attends, attends, laisse-le manger. Demande-lui s'il y a tout ce qu'il faut, là, Philippe. Tu filmes? Alors, 500 g de farine, de l'eau, 280 g. Liquide 300. 280 litres. Fini, Jérémy? Oui. Voilà. Alors, la farine, de l'eau, de la levure, du sel. Levure, sel, eau et farine. Voilà, complet. On voit ici. Mamie Michel. Farine, levure, un peu de sel, c'est important parce que c'est pas bon du pain sans sel. Hein. Voilà. Et de l'eau. Voilà, et on tourne. T45, je sais pas si le robot il est fatigué un peu, alors on va finir la pâte à la main, n'est-ce pas? Alors il n'y a plus de farine, évidemment, on va chercher. Waking up, chef. Pour éviter que ça colle. Allez.
couper les doigts. Le kitchen head, c'est beaucoup plus facile. Finir à la main. Toi, t'as un kitchen head. You have a nice or... Papi, kitchen head. You have a nice kitchen head. Yes. You have a nice machine in the kitchen. This one is limited. Moi, je prends une vitre, tu vois. Classe. Enfin, on peut mettre autre chose, on peut mettre des... Si tu as un bon plan de travail. C'est-à-dire que pour nettoyer, c'est plus facile, ça. Ici, il y a que clean. Ah. Je suis très meilleur en anglais. I was gonna say, there must be a reason. Attention, regardez-moi. Séquence. Séquence pour vie. Il a un peu de loco à la cabeza. Bon, ben, je crois que ça y est bientôt. Hein. Voilà. You crazy in the kitchen head. Jérémy, regarde. Hein? Colle pas. Doesn't stick. Papi, tu mets pas ta à peine. Voilà. That's brute force. Un dernier pour la route. Voilà. Hop. Voilà. Elle est pas trop... Just. Alors, un peu de farine pour éviter que ça colle. Et on va le laisser reposer une heure pour qu'elle monte. So the door has to rest for 1 hour. We should have a torchon. Or else it's going to file a lawsuit. Hmm? Or else it's going to file a lawsuit. There's
Still filming? Yep. Turn it off. Canon just edited me out. Voilà. Hop. Sleep. Psst. For 1 hour? Ben, faut le mettre dans un endroit. Pas froid toujours. Voilà. Faut le laisser monter, tranquille. Là ou là, mais comme certainement quand on va avoir besoin du four. Alors ici, nous, le four, si tu veux, on a un truc pour lever beaucoup plus vite. Ça marche à 40 degrés. On va faire comme ça. Mais on va prendre notre temps. Ok. Hein, donc voilà. Là, c'est 1 heure à peu près? À peu près, oui. Ok, c'est fini? Enlever les pots. Qu'est-ce qui est tombé, Keisha? Pas toi. One tried to escape. Voilà. Viens de casser si tu veux le manger, tu peux. Hein. Bon. Sont bien grillés, mm-hmm. Pas trop. Mm. Là, ça fait de la merde, hein, des bleus. Ton livre du four, là, il est où, Michel? Michel? Sorry, the same time. Pass on, bread. Four, four. Two collect. I'm thinking. Ça, on le met de côté. C'est pour tout à l'heure, au chocolat. Alors, précaution. Installation. Tableau de cuisson. Faux gaz grill. Spécial pain. J'ai un four extraordinaire là, automatique. Alors, c'est qu'il est le pain. Le pain. C'est la fonction idéale pour la cuisson du pain. Se reporter au paragraphe suivant dans la recette. Ne pas oublier de mettre 150 g d'eau froide dans le lèche-frites au niveau 7. Enfourner à froid. Si on désire enfourner à chaud, appliquez notre température de fichier. Alors le pain, mélanger, disposer la farine en fontaine, former la boule. On l'a fait disposer sur la grille, un ou deux grilles en cas de cuisson de pain de plusieurs niveaux. Pratiquer des entailles, enfourner à la grille. Niveau de cuisson.
près, hein, Philippe. Voilà. Bon, elle doit connaître ça. Voilà. Voilà. Alors, il faut chasser les bulles, hein, qu'il y a dedans. Voilà. Alors on va faire 1, 2, 3, 4. Divided by 4 or 12, each is 25%. Au bout du bois. Et on recommence. Les professionnels, ils font ça avec une lame de rasoir ou un cutter. It's not even snipping it, snipping it on a right angle. Je touche à la cuisine avec maman. Elle aime pas ça. C'est son précaré, elle veut pas que je cuisine du tout. Et moi, j'adore cuisiner. J'ai entendu. Dieu comme. Si t'as une paille, une plaque comme ça en plastique. Un peu dur pour couper la pâte. C'est dur. Ou alors tu fais un, tu prends un truc comme ça là. C'est un truc de couvercle. Si t'en as pas, ça va. We'll find. Pour couper la pâte, ça va bien. Celui-là.
Voilà. Alors. Il faut laisser relever hein, maintenant encore ça. Il ne faut pas le mettre à la cuisson tout de suite. Hein. Donc qu'est-ce que tu veux dire, relever ? Ben, il faut que ça double. Donc, tu veux dire... Ce qu'on a fait la première fois là, on a chassé les bulles. Attends, il n'y a pas de température là. Là, si. Enfin, moi j'en ai un spécial pour les. Pour ça, c'est 40 degrés. 40 degrés. Voilà, c'est pile poil. Et ça ne bouge pas. Parce donc, que si tu ça, fais... c'est pour faire monter 40 degrés. Voilà, c'est pour accélérer le. La levée. Pendant combien de temps? Ben, tu vas le voir, hein, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure, ça, il va lever. Hein. Ça va lever, je sais pas. Ok, donc là on attend. Ah ben, faut arrêter. Voilà. Là, ça a gonflé. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Alors moi, je pars sur le. Le pain. Huiler le pain. Il y a une température qui est indiquée. Et moi je touche plus rien, ça se fait automatiquement. Autrement c'est combien les baguettes? Combien de temps que tu mets le pain, Michel? À quelle température? 200. 200? Oui. On a combien de temps? 200 degrés. Si c'est des petits pains, des gros pains, ça je mets 30 minutes. Et des petits pains, une vingtaine de minutes. Donc 200 degrés, 20 minutes. Moi c'est automatique. Ok. Alors ici on va attendre un peu parce que c'est pas prêt. Donc comment, est-ce que tu as un timer? À quoi? Tu vas savoir comment quand c'est fini. Eh bien, je t'appellerai. Il faut t'appeler. Tu vois, ça commence à durcir. Mm-hmm. On va laisser durcir. Regarde ma pâte comme elle est belle de ce matin. Elle a grandi? Tu ne le vois pas? Il y a beaucoup la cuisine, même dans le froid, elle a grandi? Ah ouais. Ça va, j'ai c'est la farine, c'est la levure qui... Ok, ça c'est pour les croissants. Ça c'est pour les croissants. Croissant, creux. Alors il faut, je dis, si dans la classique, tu le prépares le soir, tu le mets le matin pour le lendemain. Mais il va pas travailler le lendemain. Toute la nuit. Voilà. Bon, maintenant je vais vous couper du saucisson. On ira, toi. Mais mamie, c'est pas de la mayonnaise maison. Mais qu'est-ce que c'est que ce zbin? Moi je t'en prie, c'est toujours une mayonnaise. Ah là, je suis déçu. Bon, Michel, je sais pas comment vous canner, hein. Il est assez comme ça. Hein. Papy, j'enregistre. Alors, vous canner, ça, parce que ça veut dire la con. Ah oui. Prêt ton pain? Hein? Le pain. Bah ça on peut commencer à... Moi j'ai 13 minutes encore, il va commencer à dorer là. Donc c'est deux fois 20 minutes en fait. Ben écoute, je sais pas, finis-moi. Je domine pas, regarde. Tu te fais dominer, papy? Non mais regarde. Oh, misère. Regarde. Moi j'ai un compteur là, 13 minutes encore ils disent. Mais... Ah, c'est lui qui gère tout? Ah oui, il gère tout, ouais. Logiquement, 12 minutes. Mais pour quel gros pain? Ah, c'est des petits pains. Attention, tu vas avoir de la buée. Hein. Oh, bah, je crois que ça y est. Hein. Attends. Fais-le. Et cuit? Ça y est, bien tout. Hein? Oui. Et les petits sont cuits? Les petits doivent être cuits là. Ouais. Je les enlève. Oui, arrête. Laisse-les deux minutes encore dedans et arrête-le. Comment tu sais qu'ils sont cuits? Ça tape, ça résonne comme un tambour. Je les enlève. Oui. Ah, donc c'est qu'il est là.
Pécho. C'est chaud. Les autres aussi? Oui, qu'elle est blanche, on en laisse encore un petit peu. Chaud, chaud le pain. French baguette. Merci papy. Mes dessins sont pas beaux. Hein.